Aménager un espace pour permettre aux parents d'étudier tout en préservant leur responsabilité parentale est une opportunité pour améliorer l'accès à l'enseignement supérieur pour les nombreuses femmes et les nombreux hommes qui sont dans la situation parentale. Il s'agit aussi pour les enseignants et le personnel encadrant de pouvoir bénéficier de ces services-là et en toute sérénité et avec moins de stress d'exercer leur travail de tous les jours. Il est fondamental que nous puissions introduire dans notre système éducatif l'encadrement préscolaire. Cela améliore les capacités intellectuelles de nos enfants, les prépare, comme l'a dit Madame la Ministre, à un enseignement maternel de très grande qualité, un enseignement primaire pertinent, et au développement tout court de l'enfant. Tous les enfants ont droit à un environnement sain et ils ont besoin de grandir dans un environnement sain. Et c'est pour ça que nous avons pensé, justement avec l'accompagnement de l'UNFPA, aux filles, aux femmes qui sont dans les universités, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont mariées, qui sont à l'université et qui ont des problèmes, qui rencontrent des difficultés pour la poursuite de leurs études parce qu'elles ont commencé à faire des enfants et ne peuvent pas s'en occuper. Donc quoi de plus normal que de mettre en place des crèches dans ces endroits pour les aider à poursuivre leurs études et en même temps accompagner les enseignantes aussi pour poursuivre leur travail. Mais ce n'est pas que les universités. L'initiative va s'étendre aussi à d'autres endroits où les femmes travaillent, peut-être dans le secteur privé, aussi d'autres femmes qui sont même dans l'informel, mais à côté de leur travail, on peut mettre des endroits en place pour leur permettre vraiment de travailler décemment et en toute tranquillité, en ayant la conscience tranquille parce que leurs enfants seront dans des endroits sécurisés. La motivation principale est celle d'alléger les femmes et filles qui restent dans un rôle de responsabilité principale de la société guinéenne pour la responsabilité des enfants en bas âge et en âge préscolaire à pouvoir continuer leurs études et à pouvoir continuer leur épanouissement professionnel sans que les enfants représentent un obstacle pour elles. Cependant, ce qu'on tient aussi à souligner et à promouvoir, c'est la responsabilité paternelle, donc la responsabilité parentale d'ensemble, en accompagnant sur le lieu de travail la présence d'un service de garde sûr pour les enfants. Ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est que c'est une initiative qui est née du besoin des individus sous le leadership des deux ministères qui la portent. Et en fait, ça représente et ça montre comment répondre à un besoin très ponctuel et de façon très pragmatique peut enlever ce qui représente un grand obstacle souvent au quotidien.